Hey! Good! No! Good! No! No! Azawad! Azawad! No! Azawad! No! Azawad! Azawad! No! Azawad! No! 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 Azawad! No! No! Azawad! No! Asim Goita! No! Asim Goita! No! Asim Goita! Go! No! Asim Goita! And Babi! Asim! No! Asim Babi! Asim Babi! Asim Babi! Asim Babi! Aha! Bama ka! Asim Babi! Achenez, hein! Achenez, attention! Vous avez pleinement raison. Honnêtement, ça ne va pas. Et vous avez pleinement raison d'avoir peur. Moi-même, ministre de la Défense, j'ai peur. Avec la Soussa Traoré, c'est ça, Vendé Sim. Kidal, j'ai été arrêté le 12 septembre 2023. Garde Amad Diallo, Intem Yaris Bléré. J'étais arrêté à 17 septembre à Bléré. Charan Chef Salim Julia, 512e Sim Tomoktou, basé à Bléré. J'étais arrêté le 17 septembre 2023 à Bléré. Crise au Mali. Tombouctou et Gao assiégés par les combattants islamistes. Pendant que les forces armées du Mali font dans le gros mensonge en nous disant que eux vont s'accaparer de Kidal et du nord du Mali, ils ne nous disent pas que les djihadistes sont en train de monter en puissance malheureusement. Et les habitants de la ville malienne assiégés par les militants liés à Al-Qaïda ont déclaré à la BBC qu'ils étaient confrontés à des pénuries de nourriture, de carburant, de médicaments ainsi qu'à une hausse rapide des prix. Les blocus ont eu lieu alors que le combat s'intensifie entre l'armée soutenue par les mercenaires russes de Wagner et les groupes islamistes ainsi que les combattants séparatistes Touareg. Depuis près de deux mois, Jamaat al-Nusra al-Islam ou al-Muslimin tente de couper complètement la ville historique de Tombouctou dans le nord du Mali, empêchant ainsi l'approvisionnement. Des dizaines de camions chargés de nourriture et de marchandises arrivaient chaque jour dans la ville. Mais maintenant, après le siège, plus rien n'arrive, a déclaré Oumar Sidi Mohamed, qui vit dans la ville et travaille comme journaliste. La plupart des fournitures arrivaient à Tombouctou depuis la Mauritanie et l'Algérie. Le prix des denrées alimentaires qui arrivaient des pays voisins a doublé, a déclaré M. Mahmoud. Ajoutant que les produits de base tels que le sucre, la farine, l'huile et le lait ont tous été touchés. Il y a une pénurie de carburant et son prix a augmenté de 80%. Je dis bien de 80%. Les prix des produits de base tels que l'huile de cuisine ont grimpé en flèche depuis le début du blocus de Tombouctou. La ville a également été touchée par des attaques à la roquette lancées par des militants. Les gens ont peur, mais ils ont commencé à avoir très peur, à être terrifiés après les derniers événements, a-t-il ajouté. En raison du danger, des milliers de personnes ont dû repartir. Les Nations Unies estiment que 33 000 personnes ont fui. Tombouctou a été occupé par les rebelles Touareg à la suite d'un soulèvement des séparatistes en 2012. Mais ils ont été rapidement repoussés par des groupes islamistes liés à Al-Qaïda qui ont imposé une forme stricte de la charia ou la loi islamique dans la ville, obligeant les femmes à porter le voile intégral, interdisant la musique et amputant les membres des gangs criminels. Un couple a été lapidé pour adultère. Nombreux sont ceux qui craignent que cela ne se reproduise par le JNIM s'il parvient à s'emparer de la ville. Après une année de domination islamiste, les forces gouvernementales maliennes soutenues par les troupes françaises ont repris la ville. Mais ces forces françaises ont quitté le pays depuis que l'armée a pris le pouvoir en 2021. Et la mission de maintien de paix des Nations Unies s'est également retirée. Gao, la plus grande ville du nord du Mali, située à quelques 230 km à l'est de Tombouctou, est également bloquée par le JNIM. Le groupe militant a renforcé son contrôle au cours de la semaine écoulée
un habitant qui ne souhaite pas être identifié a déclaré à la BBC que le manque de carburant paralysait l'approvisionnement en électricité de la ville. Les photos envoyées à la BBC montrent les rues vides de Gao, une ville normalement très animée. Les maisons ne sont plus alimentées qu'une heure par jour. Les gens ont peur à cause de la guerre, a déclaré l'homme. Ils ne sont pas satisfaits de la hausse du prix des denrées alimentaires, a-t-il ajouté, précisant que leur coût avait doublé. Beaucoup de familles ont quitté la ville. L'économie de la ville est normalement centrée sur le commerce avec les pays voisins que sont le Niger et l'Algérie, mais les actions du GNIM ont poussé de nombreux marchands à quitter la ville et ont laissé les rues désertes. Alors que des deux villes interviennent alors que des forces concurrentes au Mali s'empressent de combler le vide du pouvoir causé par le départ des troupes internationales. L'ONU a annoncé à la fin de sa mission en juin 2023 et a déclaré que ses forces quitteraient progressivement le Mali d'ici décembre 2023, après que la junte militaire malienne a refusé d'étendre leur mandat. Cela a conduit les troupes gouvernementales et les troupes séparatistes Touareg à jurer d'occuper les bases de la force qui se trouve dans le nord du Mali, une zone qui est sous contrôle des Touareg depuis un accord de paix en 2015. Et là, il faut s'arrêter rapidement pour dire à Simi que tout ce qui adviendra après décembre 2023, Assimi, personnellement avec les membres de son gouvernement, seront tenus pour responsables, ainsi que leur ministre des Affaires étrangères, et ces personnes seront directement conduites, si elles sont vivantes, à la CPI. Ça, il faudrait qu'on le signale pour cet acte. Les combats ont commencé en août pour le contrôle d'un site de l'ONU dans la ville de Ber et se sont intensifiés depuis. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, en abrégé le GNIM, a également profité du chaos pour lancer ses propres attaques contre les forces de défense et de sécurité maliennes. Des troupes Touareg affirment avoir attaqué 5 bases militaires des armées maliennes et ont déclaré le mois dernier, dans des messages publiés sur les réseaux sociaux, qu'ils avaient l'intention de prendre le contrôle de l'ensemble du nord du Mali, où ils souhaitent établir un État indépendant, l'Azawad. Dans le même temps, le gouvernement militaire a promis de reprendre le contrôle de l'ensemble du pays et a envoyé lundi un important convoi vers Kidal, une ville du nord qui est le principal bastion Touareg. Nous considérons la sécurité dans l'ensemble du pays comme une priorité absolue, a déclaré le colonel Malik Diaw, un haut responsable de la junte djihadiste au Mali, à l'Assemblée législative intérimaire en début du mois. Nous travaillons avec l'armée pour reconquérir nos terres occupées depuis longtemps par des hordes de barbares sans foi ni loi ni religion, dont le seul but est de causer la souffrance et la mort des innocentes personnes qui n'aspirent qu'à vivre en paix. Je m'arrête là pour dire que vous avez menti, parce qu'en réalité, je ne supporte ni les Touaregs, mais il faut dire que l'objectif, la vision principale des Touaregs, que je ne mélange pas avec les djihadistes et les brigands, c'est qu'ils n'ont aucun élément de développement. Citez-nous les objets de développement qui sont dans la région des Touaregs. Ce n'est pas parce qu'on vit dans le désert qu'on n'a pas besoin de développement. Sinon, à Dubaï, on n'aurait pas fait le développement. À la Mecque, on n'aurait pas fait le développement. Mais le gouvernement a abandonné cette zone à elle-même. Ce sont des humains aussi qui ont besoin de vivre. Tu as dit qu'ils ne sont pas des barbares. C'est parce qu'ils sont plus forts et matent l'armée malienne que vous êtes en train de dire qu'ils sont des barbares. Sinon, quand l'armée malienne va les attaquer, l'armée malienne ne leur donne pas des fleurs. L'armée malienne les massacre. Et mais comme vous les massacrez, ils sont devenus, eux aussi, ils ripostent plus, de façon plus coriace et plus rigoureuse que pour vous. Tu fais semblant de dire qu'ils sont des barbares. C'est parce qu'ils vous cassent vos gueules. Dire qu'ils ne vivent pas dans la loi, ils vous disent qu'ils vivent dans la charia. Et ça aussi, c'est une loi. Et tu dis qu'ils sont sans foi, ni loi, ni religion. Ils sont musulmans pour beaucoup d'entre eux. Et donc, ce n'est pas à vous de leur retirer l'étiquette qu'eux-mêmes se sont donnée librement. Ça prouve à travers vos propos que vous n'êtes pas conséquent, que vous voulez cacher votre faiblesse avec de la haine pour peindre ces personnes-là qui ne demandent qu'une seule chose, le développement de leur région, que le Mali a été incapable d'apporter. Mohamed Mouloud Ramadan, porte-parole de la coalition des groupes Touareg appelée CMA ou CEMA, a déclaré à la BBC « Nous les arrêterons. Nous nous préparons à cela depuis longtemps.
nous préparons davantage de combats pour la bataille. Le conflit menace de s'étendre en dehors du Mali et dans toute la région du Sahel. Le gouvernement et les rebelles Touareg ayant tous les deux appelé à un soutien international. Des groupes Touareg en Libye, en Algérie et au Niger ont exprimé leur solidarité avec les séparatistes maliens de l'Azawad, un chef rebelle nigérien, un chef rebelle Touareg qui vit au Niger, appelant les combattants à les rejoindre sur la ligne de front pour aider contre l'armée malienne. Ben Bella, le chef de l'alliance Touareg-Sema, a déclaré à la BBC « Ces déclarations seront suivies par l'arrivée de combattants du Niger, de l'Algérie et de la Libye pour soutenir dans la bataille contre l'armée malienne. Cette solidarité permettra de faire face à l'expansion russe dans la région par le biais des coups d'État au Mali, au Niger et au Burkina. » Il y a 3 semaines, bon là on sait que ce n'est pas vrai, ça les arrange aujourd'hui parce que nous sommes dans un monde d'opportunités. Donc comme ils savent que les Occidentaux sont contre les coups d'État, aujourd'hui ils profitent de l'occasion. C'est un crime d'opportunité, mais dans la vie il ne faut jamais manquer une opportunité. Et donc vous entendez ce qui se passe. Quand vous dites que vous allez attaquer Kidal là, les Touaregs du Niger, les Touaregs de l'Algérie, les Touaregs de la Libye là, c'est tous ceux-là qui vont se mettre ensemble pour vous attendre là-bas à Kidal. Ça il faut qu'on vous dise ça très bien. Et depuis que vous êtes parti là, vous avez pris combien de kilomètres? Dites ça clairement aux gens. Je parle de l'armée du Mali, rien que du Flatou Vosis sur la toile. Il y a 3 semaines, la junte malienne a signé un pacte de défense mutuelle avec le Burkina et le Niger. Chacun s'engageant à s'entraider en cas de rébellion armée ou d'agression extérieure, après que d'autres pays d'Afrique de l'Ouest ont menacé de recourir à la force pour établir un régime civil au Niger. Maintenant que, si on suppose que ces États ouest-africains, c'est-à-dire la CEDEAO, n'attaquent pas, mais que l'armée du Mali a attaqué, et que les Touaregs du Niger, les Touaregs de la Libye, les Touaregs de l'Algérie et les Touaregs du Mali se sont mis ensemble, est-ce que, si vous vous souvenez très bien, on vous a dit qu'après décembre, il y a un massacre qui est en préparation. Et donc, les Touaregs sont au courant. Ils vous attendent. Et c'est pourquoi quand ils vous trouvent là, ils vous matent violemment et sérieusement. Vos Wagner qu'on a vus là, ils les ont égorgés. Moi, j'ai les images, mais je ne peux pas poster parce que je ne sais pas ce que j'ai fait à Facebook. Mais il y a certaines images qu'on ne peut pas montrer sur la toile. Et malheureusement, quand je poste, on me bloque. Et donc, ça fait que je ne peux pas... Ils les ont égorgés. Jusqu'à ce que tu entends d'autres, ils sont en train de pisser leur sang comme des moutons. Mais continuez. Vous avez la liste des Maliens, des soldats maliens, avec la date de leur capture et les humiliations que les FAMA subissent. Les FAMA, je vous le dis, les forces armées du Mali, le plus fort parmi vous doit faire un coup d'état à Bamako pour arrêter, sinon Assimi va vous livrer à la mort. Et vous ne pourrez jamais gagner contre ces gens. C'est lui-même qui dit que faire coup d'état, c'est la méthode. Et qu'on ne doit pas faire des élections. Et donc là, arrangez-vous pour faire un coup d'état pour enlever Assimi Goïta. Comme ça, là, ça serait mieux pour vous. Sinon là, vous allez tous allez vous faire massacrer là-bas alors qu'ils sont couchés à Bamako en train de mentir et de boire du thé. Ces coups d'État ont entraîné le retrait du Mali et du Burkina Faso des forces militaires françaises qui fournissaient une assistance en matière de sécurité pour la lutte contre l'insurrection islamiste qui a fait rage dans ces 3 pays voisins ainsi que des préparatifs en vue du départ du Niger. Le Mali s'est depuis tourné vers les groupes mercenaires Wagner pour obtenir une aide militaire et les rumeurs ont circulé selon lesquelles le Niger et le Burkina Faso pourraient suivre. Alex Vine, directeur du groupe du programme Afrique du groupe de réflexion Chatham House, a déclaré que le Niger et surtout le Burkina Faso, ayant leurs propres problèmes de sécurité interne, il est peu probable qu'ils soient en mesure d'aider les forces armées maliennes. C'est que cette alliance, ce que cette alliance n'est pas en mesure de faire, c'est de fournir une solidarité militaire à l'autre, a-t-il déclaré. Il a ajouté que les forces mercenaires de Wagner ne semblaient pas en mesure de combler le vide laissé par les forces françaises et que les Russes se débattent et sont très sollicités compte tenu de leurs engagements ailleurs, en particulier dans le cadre du conflit en Ukraine. M. Vine a averti que le fait de ne pas gérer la crise dans le nord du Mali rend la junte de Bamako vulnérable et qu'il pourrait y avoir un nouveau coup d'État si la junte militaire ne parvient pas à répondre aux défis sécuritaires auxquels elle est actuellement confrontée,
La source est bbc.com pour ceux qui souhaiteraient vérifier. Et donc, on vient de tout expliquer et tout est là en face de vous. Et même si vous prenez le soin d'aller regarder, aujourd'hui nous sommes le vendredi, mais si vous prenez le soin d'aller regarder hier nuit à 21h au Mali, exactement dans la ville de Kona, K-O-N-N-A, à 21h50, hier jeudi 12 octobre, allez regarder les dégâts qui ont été causés là-bas. Des milliards partis en feu. Et c'est ça la signature d'Assimi. Et comme je l'ai dit, Assimi sera tenu pour responsable parce qu'il y a une loi qui dit qu'on a un devoir moral de porter assistance à une personne en danger. Quelle que soit la manière par laquelle ils sont venus au pouvoir, là, c'est eux les autorités du Mali actuellement. Si vous n'êtes pas capable de protéger les populations, alors que on demande votre signature pour que des forces qui peuvent protéger ces populations demeurent sur le terrain, mais que vous refusez d'accorder cette signature-là, tout ce qui peut arriver à cette population-là en termes de malheur, c'est toi qui as refusé de signer là, qui est comptable de cela. Et donc, au nom du droit international, l'ONU, la Cour pénale internationale, peut se saisir pour poser une plainte à l'international contre les membres de la junte djihadiste à Bamako et ça ne fera que compliquer davantage leur sort. Vous avez pleinement raison. Honnêtement, ça ne va pas. Et vous avez pleinement raison d'avoir peur. Moi-même, ministre de la Défense, j'ai peur. Avec la Soussa Traoré, c'est ça, Vendée, c'est Kidal. J'ai été arrêté le 12 septembre 2023. Garde Amad Diallo, Intem Yaris Bléré. J'étais arrêté à 17 septembre à Léré. Charanchef Salim Julia, 512e Sim Tombouctou. Basé de Léré. J'étais arrêté le 17 septembre 2023 à Léré. No, Asimi Goita. No, Asimi Goita. Go. 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 No, Asimi Goita. No